Mais regarde les granivoles, ils sont trop mignons. Il y en a deux. Ah mais il m'a attaqué moi parce que je l'ai touché. Ah. Attends, je te le laisse. Non. Prends-le. Tu es... Mais je crois que le granivole que j'ai, je vais le garder. Vas-y. Hein. Comment on ouvre déjà le... Là. Hop, granivole, ce sera un Pokémon que je vais garder. Soin auto, placer la tête de l'équipe, déconnexion... Ah, bah là aussi, on pouvait se connecter à Internet, tout simplement. Ah oui. C'est quoi comme attaque, ça? Ah non, c'est lui qui a fait Volvi. Il a fait Volvi, moi je fais Choc Psy. Choc Psy. Choc Mental, Choc Psy, pas encore. Yeah. Feuille de granivole. Faudrait que je tue des psycho-quacks si je veux psycho. Psycho, carrément? Bah, non, pas psycho. Non, c'est Rafale Psy. Ah, les psycho-quacks, ils sont au début, avant la ville, là-bas. Du coup, je vais chercher. Moi, je vais explorer là-haut en attendant. Vas-y, go faire notre vie. Bon, oui. Le jeu propose ça, c'est énorme, hein, moi. Après, on peut se TP, je crois, dans les. Si j'ouvre la map. Comment on ouvre la map? Y. Et que là, je prends par exemple le centre. Non, pas celui-là, celui-là. Voler jusqu'à cet endroit. Oui. Ah, il faut aller en. Faut aller à Mesaledo. Donc tu peux te TP au. Dans les trucs. Dans les stations. Mm. Oh, un combat. Psycho quoi qui sont avant le premier truc. Bah, j'espère qu'il va pas avoir un trop gros Pokémon, ce gars. Lixie. Oh! Il y a des Lixie dans ce jeu. Je crois que t'aimais bien le Lixie, non? Sympa. Oui, le mignon. Mais je vais pas le prendre, il est pas fort. Il est sympa le dresseur que t'as, France. Moi, c'est un gars musclé. J'ai les jaunes. J'ai les jaunes. Sors le psycho-quack. Des cerises. Ah, l'épidonie il évolue. GG. Ah, je me demande si tu le verrais évoluer, toi. Ah, faudrait que je vienne voir. Et l'évolution est ultra rapide. Prochaine fois, on regardera. Mm. Je trouve pas de... Ah, ça y est, psychocroc. Je dois un réveil en même temps. Et du coup, là, vu que c'est un adulte ouvrier, il est en dehors de la ville, ce qui est logique. Les enfants restent sur le chemin. Tu vois, il y a une certaine petite logique derrière, et c'est sympa. Après, les seuls enfants qu'on peut trouver, c'est les petites filles, c'est tout. Toujours buter les petites filles. Toujours les petites filles qui sont là, qui vont... et qui après disparaissent bizarrement. Ouais, et elles reçoivent un coup de bouclier. Il y a très peu de personnes qui doivent avoir un live, là, bon. J'ai la ref. T'as la ref? Oui. Tu regardais ça aussi, hein? Ou t'as... Je l'ai vu. Tu l'as regardé? Chez Maya. Ouais. Mais quand est-ce que je l'ai vu? Ça remonte à hyper loin, c'était Aventure, hein. Donc, Non, mais je l'ai... Je sais plus quand il est revenu dessus, quand il a recommenté. Ah! Bah c'était lors du JDR, t'es passé lors du JDR, ou pas? Bah, du dernier vraiment... JDR? J'ai dû passer... Le dernier, non. Mais c'était encore avant, il avait commenté. Alors en fait, il est revenu sur son ancienne vidéo. Mmh. Ah, il a recommenté sa dernière vidéo, ouais. Et qu'il y avait... Il y avait Fred et tout ça. Le coup de... Oui, et le coup du bouclier. Échec critique. En plus, t'entends le poing. Ouais, il faut le mettre. Comme quoi, j'ai la ref, hein, t'as fait. Ouais. Du coup, si tu touches les Pokémon, ouais, ils t'attaquent. Mmh. Oh, Timonzai, je te chope, toi. Boum, boum.
Mon frangin qui joue à Pokémon Écarlate. Et mes deux frangins, par contre, ils ont pris tous les deux Pokémon Écarlate. D'habitude, on prend toujours des versions différentes. Parce qu'on n'a pas les mêmes avis sur les légendaires, mais là... Ils se sont dit avec les Pokémon... Avec les... Ouais, Pokémon Écarlate aussi, eux. Ah, j'avais un bug de texture. Quand j'étais loin, elle avait sa queue de cheval qui partait dans tous les sens. Ah. Du coup, qu'est-ce que je vais vous donner avec Pokémon ? Aquajet, oh. Après, ça dépend, il est plus... ouais, il est plus attaque, donc Aquajet, c'est mieux. Oh, j'ai une augmentation de défense SP, j'ai une baisse de vitesse, sérieux ? Même en connaissant pas le Pokémon et sa stratégie, je suis sûr que c'est pas une bonne idée. Un truc. Wow. Je sais pas si tu vois sur le stream ce que je vois. Qu'est-ce que t'as vu ? Là je vois le Granivol, là je vois un truc violet bizarre. C'est ça ? C'est une épée ? Je sais pas du tout, je me demande si je peux y aller. Oh, c'est... Là je pourrais pas y aller par là. Je vais voir si je peux faire le tour. Alors est-ce que je peux acheter là, un truc ? Si je saute. Je peux l'acheter. Il n'aura pas le psy ? Je l'ai créé. Je vais lui faire oublier rugissement. Du coup, les CT, c'est pas si compliqué que ça à créer. Ouais, maintenant qu'on a le truc. Mais c'est une bonne idée en plus aussi. En vrai. Du coup, par exemple, c'est tout. Tout bête, hein. Si tu veux, je sais pas, est-ce qu'il y a une attaque haut ou quoi ? Non, il y a pas grand chose hein, pour moi. Mais par exemple, si tu veux Crofeu, bon là j'ai pas encore, non, je peux pas, ça c'est pas un bon exemple. Par exemple, si tu veux Coup de Boue, bah, tu dois tuer trop, tu dois tuer des Oxolotos. Ouais, voilà. Tu veux Charme, il me faut des poils d'Azuril et d'autres choses d'un autre Pokémon, mais je sais pas encore lequel. Bon, Jola, j'ai déjà. Ah non, c'est... en vrai c'est sympa. Ok, on peut pas encore aller à l'espèce de DP Biome. Peut-être qu'il y a d'autres CT à d'autres endroits. Alors ce que je trouve dommage par contre, c'est qu'on peut glisser, tu vois, mais pas indéfiniment. Genre sur les pentes, ça serait bien de pouvoir descendre... D'un coup ? Rapidement, ouais, en glissant. Du coup, c'était un Pokémon shiny de loin, mais en fait c'est juste un Granivol. Ah, je vois le bug de la queue de cheval que tu disais. Ouais, t'es pour la rivale. Ah, t'es là. ZL pour verrouiller, ouais, c'est ça. C'est ce que. Pour une fois que Matt m'apprend quelque chose avant le jeu. Quand même. Tu peux s'asseoir ? Non. Non. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait tout le tour de ce qu'on peut explorer maintenant. Ouais, on peut aller en ville, je pense. Il reste des combats sur le chemin, j'imagine. Vu qu'on a contourné le chemin. Après là, c'est un autre chemin, non ? Non, c'est le chemin. C'est juste qu'on l'a contourné, en fait. Non, c'est un autre, ça. Non. Si ? Non, attends, je sais. Non, on va y aller, hein. Après, c'est juste qu'on a vachement contourné le truc, en fait. Non, en fait, non, on a pris l'autre chemin, on a pris celui en bas. Ah oui, celui du haut. Non, pour celui du... Il y a plein d'objets encore, on va encore s'écarter en bas en fait là. Ouf, on avance. Mais le jeu il est fait pour ça. Ah, il y a des moments XP. Je pensais sur un Granivol. Force ajoutée. Mais... Tourne-grain, pardon. Tourne-grain ? Ouais, j'ai foncé dedans, il m'a fait mieux. Mais tu vois, j'ai plus le sourire sur ce jeu que sur Arceus.
Ouais, mais moi aussi. En fait, Arceus, j'étais là, mais vraiment pour l'histoire, pour apprendre l'histoire des Pokémon de ce jeu. Là, j'ai envie d'explorer. Ah bah je suis descendu. Hein. Est-ce que je peux tomber d'un coup comme ça, hein, genre? Ah non, il fait non. Ah bah si. Ah. Oh t'es mort. Ah mais non, y a... non, bah non, il y a le. Motisme. Ah. Où j'ai bugué là. Ah bah j'ai bugué. Attends, j'ai envie de voir. Non mais trop tard, ça m'a remonté. Ok. Allez. Après on peut sauter d'un coup en fait. La première fois il a un peu peur, mais après il y a le sauvetage automatiquement. Ouais c'est ça. Ah. En fait non. Il faut que tu trouves des les comment dire les CT pour que tu puisses les apprendre en fait. Mmh. Alors là, j'ai trouvé un truc doré, ça m'a fait vous avez appris une nouvelle CT, allez voir machin. Ah, ça lag un peu. Le mode en ligne, il doit pas aider non plus, tu vois. Mais En vrai, je pense pas, ça a rien à voir. Il habite comme moi, lui. Tu t'es perdu, ça y est. Non. Ah, je vois sous la map. Génial le combat. Hein. Azuré, il est mort. Trop content, du coup, j'explore tout ce que je peux. Mais fais, hein. Fais. Action de tour. Tu l'avais pas eu? Non. Ah mince, il m'a envoyé un Ramolos. Oh, les pauvres enfants, ils pleurent. Mon Pokédex n'a jamais été aussi rempli en un seul. Sur un axoloto. J'adore les petits messages qu'il y a en haut à droite. Ouais, t'as vu. Note trouvée récemment. C'est quoi ça comme Pokémon? Mm. Il y a des notes qui ont été trouvées sur des Pokémon. Et là, j'ai un Pokémon. Il a l'air trop stylé. Alors. J'ai un vieux monsieur. Ça commence qui, mal. Voilà, qui est sur le chemin et qui me fait tu vas à l'école? Hey petit, ça te dirait un combat Pokémon avant d'aller à l'école, avant d'aller en cours? Étienne, le nettoyeur. Nettoyeur de quoi? Il envoie un gloopy. Bah oui, c'est normal, t'es un nettoyeur, t'as forcément ce Pokémon. Une soin bol. Les dresseurs savent. Tu as lu le panneau, Franck? Non. J'ai une madame musclée qui en au départ est cool. Madame... Tu as lu le panneau, Franck? Lequel panneau, du coup? Sur un. Hyper musclé. Sur la route, j'imagine. Ah non, il m'endorme. Je suis tellement à fond dans le jeu que j'oublie de regarder le chat. T'inquiète, je suis là. Sur le chemin, oh, ok. Bon, je vais retourner sur le chemin pour voir. Il me semble que j'ai chopé tous les Pokémon du coin là. Je me demande s'il y a un cycle jour-nuit aussi. J'avoue. Et à savoir si ça se base sur la vraie heure ou si c'est un cycle jour-nuit du jeu.
Attends, j'en vois juste. Alors, il est où le vieux monsieur? Et il est où le panneau? Ah, je crois que je vois le vieux monsieur. Avec Matt à côté, on se demande ce qu'il fait. Le panneau, c'est le truc blanc là-bas? Non, c'est pas un panneau, c'est une fleur. Non, c'est pas un panneau. Ah non, c'est un panneau, ouais. Vert, mais ça la déo. Ah, bah les pièces de mort de Thor encore. Qu'est-ce qu'il fait ce Pokémon? Genre si on a toutes ces pièces, il va venir... On va le choper, pardon, c'est ça? Ça va être un Pokémon légendaire du coin, ça semble. Je savais pas que notre Pikachu était ultra fort, dans le sens... Il a vol. Bah ouais. Bah c'est justement pour la capacité cristal là, je sais pas quoi. On en apprendra sûrement plus tard dessus. Je me demande comment il vole. Avec un ballon. C'est la ref au Pikachu de version jaune. Bon bah je pense que niveau exploration j'ai tout fait, hein. Je sais pas toi, mais... peut-être avancer. Désolé, j'envoie juste la forme finale des starters avec quelqu'un. Attends, je vais parler au panneau. Je faisais la route un peu. Mais je vois, il y a un... Comment ça s'appelle le Pokémon Ah mais il y a la petite pièce derrière. Ouais ouais. Mais c'est lui justement, j'en ai déjà rencontré un tout à l'heure et... C'est quoi, c'est des Korogu? J'ai l'impression. Ou alors c'est si on a récupéré toutes les pièces, il va venir avec nous à un moment, tu vois. C'est le Pikachu qui part dans... Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a un mince. Comment il s'appelle, ce petit Pokémon? Je ne sais pas les noms. Oh, il y a un Pikachu, je vais l'attraper. Oh, il a ça! Il y a ça comme oiseau. C'est les Korogu. Il est sympa, le dresseur que t'affrontes. Je vais dire ça à chaque fois. Ah bah dès que c'est des mecs musclés. Elle est sympa la dresseuse que t'as affrontée. Ouais mais elle ressemble à un mec. Je représente une Pokémon, on se connaît. Si vous parvenez à 24 dresseurs ici, vous aurez le droit à une splendide récompense. Et bah j'en ai battu 8. Oh, KG éclair. Ah ouais? Ouais, il nous donne KG éclair. Sympa. J'ai attrapé Pichu, c'est Yann. Je m'éloigne un peu de la route parce qu'il y a des Pokéballs encore. Défense P, c'est pas bien. Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom, j'ai trop de mémoire. Chaque fois, les noms des Pokémon, j'ai du mal. Tu vois le Pokémon rose petit qui est avec l'infirmière à chaque fois. Le Vénard. Mais du coup. Petit Ravi. Ah, c'est peut-être Petit Ravi. Sinon il y a Tout Doudou aussi que je vois traîner beaucoup dans ici. Non c'est pas ça, c'est pas Tout Doudou, c'est pas une rondoudou ou quoi. C'est vraiment un petit. C'est l'autre, c'est lui. Je crois qu'il a une... On dirait qu'il a une couche culotte. Oh, Petit Ravi. Ouais. Ouais c'est Petit Ravi. Il y en avait un là. Il y a, en fait, sur la map, ça disait qu'il y en avait un. Plus vers la ville. Ah, oui, effectivement. Bah, au niveau de la... d'ici, en fait. Philibert le livreur. Je suis en train de voir les maisons derrière, on dirait du carton. Que j'ai un réveil, s'il vous plaît. Réveil. Faudrait que j'aille affronter la madame aussi. Madame a été tout à gauche. Béanchon. Défense de Katrina.
l'évolution niveau 2 de mon chat, elle est stylée, je trouve. Genre, ça fait un peu samouraï. Mmh. Je te montrerai quand il évoluera. Il faudra voir quand... Si on est à côté. Je sais pas si ça va être niveau 16 ou 18, par contre. C'est les courgous, ok. Alors... Ça va être drôle. Là. Ah, j'ai entendu un Korogu. Il est où le petit? T'as entendu un Korogu? Mmh. Ils font du bruit. Ouais. Ils font un... Avec un bling bling. Ça va être à chasser avec des cartes interactives. Ou peut-être on aura des détecteurs. Peut-être. Alors, la madame. Sinon, le petit ravi. J'arrive pas à le voir. Je vois pas en fait ce qui. Pokémon est censé là, être là. Ah! Que c'est toi? Non, ça c'est un passe rouge. Pokémon qui a pas attaqué tout le long. Je l'ai battu. Il y a quoi dans le coin? Ouais, bah le petit ravi, je sais pas. On peut passer carrément derrière la clé. La barricade, ouais. Il y a un truc au bout. Au bout, tout au fond à gauche? Ouais, ouais. J'ai pas été. Je passe derrière la barricade pour voir s'il n'y a pas des trucs. Pour le moment, je vois rien de spécial. Je peux carrément descendre dans l'eau par ici. Non, il n'y a rien du tout. J'ai peur de tomber. Ah, t'es allé à... Quoi ça? Hop. Non broché, ok. Du coup, si jamais tu peux. Attends, remonter? Je te vois retourner là où vous étiez. Non. Ok, tu disais qu'on pouvait pas tomber d'un coup, si on peut. Mervi, c'est un Pokémon rare. J'imagine qu'il faut battre plein de Pokémon pour qu'il apparaisse du coup, en mode. Sûrement. Ouais, du coup, tu peux tomber d'un coup, hein. Tu vas rattraper par le machin. Au début, il va faire non et après, tu peux quand même tomber. C'est ça. Et tu peux même remonter en appuyant sur Y. Si jamais t'as glissé. Oh. Pour te renvoler? Ouais. Genre, il te dit si tu veux retourner là où t'étais juste avant. Prends capturer un embroché. Paragdo chopé. Mais. Vous vous empressez de sortir de l'eau. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas eu Paragdo. Je suis pas dans l'eau là, un peu. Bon, dommage que je puisse pas te pousser. Allez, on va le choper. Après, on va dans la ville. Mmh. Magikarp, j'hésite.
Bah, je choque toujours, hein. Flemme en vrai. Il y a mieux. Bah, oui, il y a mieux, mais si tu veux remplir le Pokédex. Je suis dans l'eau, je suis vraiment dans l'eau. Crève, crève, crève. Je ne sais pas si vous le saviez, mais votre carte de profil, vous pouvez la beauté. Hey, on peut prendre, si tu peux prendre un selfie et foutre. À la place. J'avoue, j'ai pas sauvegardé depuis tout à l'heure. Faut que je le fasse souvent, j'ai peur que je fasse erreur de connexion. Faut que je fasse... Comment je peux faire? Attends. Non, c'est pas ça. Non. Ah, c'est là. Ah mais non, on me voit pas. Après, tu peux te tourner un peu, je pense. Ouais, c'est ce que je fais. Ah oui, oui. On peut tellement mettre deux filtres à la con. Fatal. Ah mais faut que je prenne un screen avec le... la Switch en fait. C'est tout. Non, tu t'appuies sur la photo, non c'est bon. Ah oui, tu peux prendre un screen, oui. T'es sûr si tu prends pas une photo... Profil. C'est... Comment l'appareil photo? C'est la flèche de bas ou de gauche, je sais plus. Je peux pas choisir une photo que j'ai déjà? Ouais. Ah, du coup, t'es obligé de prendre une photo. Attends, j'ai pas une photo. Comment ça marche? Regarde, regarde. Déjà, faut que j'arrive sur ma carte de dresseur pour ouvrir la map pour ça. Film. Changer la photo de profil. Photo de profil. Ah, on ne voit pas sur la photo de profil. Prendre une photo. Ah ok, bah, tu veux faire la tienne en première, d'accord? Ok, je vais mettre... Je sais pas, je teste, mais... Bah tu veux... Attends, je vais mettre à côté. Je vais faire le truc, attends. Hop, je me mets là, je fais... ça. Bah si tu veux faire une pause. J'ai pas beaucoup de pauses. Après, je sais pas si ça en rajoutera, mais... T'es caché par le logo. Ah ouais. Oh, ça va. Là, t'es caché par mes datas, surtout, aussi. Ah oui. Bon. Bah, vas-y, mets-toi. Alors, comment faire? Alors, je vais ouvrir la truc. X, photo de profil. Toi, c'est quoi que t'as fait? C'est changer la photo. T'as changé quoi? La photo de profil ou l'icône? Photo de profil. Photo de profil. Prendre une photo. Non, faudrait que je me mette comme ça, peut-être. T'inquiète, non, c'est moi qui les gère derrière. Okay. T'es très bien. Filtre. Non, je vais pas mettre de... Retour. Je commence à deuxième arène. Oh. Tu caches ma tête là, non? Non. Même pas? Comme ça. Grrr. Oui, toi t'avais cette pose. Du coup, ok, ça c'est très bien. Et après,
Comme ça. Faut appuyer sur A, ouais. C'est bon? Ouais. Attends, faut que je traîne un screen. Bon, du coup, t'es caché aussi par les data, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux cacher les infos? Voilà, tu peux cacher les infos. Est-ce qu'on peut regarder les trucs des amis? Ah, peut-être. Genre... Non, peut-être dans... Voir d'autres infos... Peut-être Poképortail. Peut-être, ouais. Poképortail, Club d'Union... Franck... Non, je peux juste quitter, là. Ce serait... Si on a des photos de profil, ce serait bien de pouvoir les échanger avec les gens, en fait. Là, je te vois... Non, là, je vois pas... Peut-être on peut les voir au tableau de bord. Dans le club Union, on peut pas. Non, il y a rien là. C'est bizarre quand même. Ou alors c'est que dans les raids Terra Crystal, on verra la photo de profil du gars quoi. Ah attends, peut-être si où je peins. Reste où tu es, je vais voir. Peut-être sur la map. Si j'ouvre la map, et que je vais sur toi. Définir comme destination. Non, nul, on peut rien faire. Bizarre quand même. Ce sera que pendant les combats qu'on se verra peut-être. Ouais, si je regarde profil. Voir les infos. Voir d'autres infos, non. C'est dommage. Bon, du coup, je t'envoie. Parti combattre. Moi j'ai juste fait un petit combat de... en t'attendant. On avance vas-y. Du coup? Vas-y, je me mets devant la porte. Bah ça annonce la cinématique. Ouais parce enfin, que le... t'as disparu pour moi, instantanément. Ouais bah c'est ça. Pour l'histoire vous pouvez la faire... Ouais on peut totalement faire ensemble. C'est mieux fait que Genshin quoi. Eh hey, Matt et Franck. Et si toi tu veux venir dans notre groupe Fatal, c'est possible, parce que tu seras juste à un autre endroit sur la map, mais tu peux venir. C'est clair. Faut quand même continuer bien progresser. Et si on faisait un petit combat, je suis sûr. D'accord. Et si on te défonçait la gueule? On se met loin. Elle a des jolis yeux. Techniquement, c'est moi qui gagne sur toi pour le mémoire. Techniquement bah ouais, vu que j'ai le type plante. Après, j'ai peut-être... cruel. Ouais, mais peut-être que je suis plus rapide. Forcément, parce que je pense que vu que j'ai la vitesse de baisser... Ah, oh, elle envoie un Pokémon électrique. Oh, comment je vais faire? Bah, je vais garder mon Pokémon pour. Elle envoie pomme de terre. Ah mais c'était pas une blague hein. Non non mais après tu verras. Je vais le tuer, attends. Ah bah j'ai vu sur ton stream. Terra Crystal à fond. Mais elle est un peu conne du coup. Imagine elle fait pas une attaque électrique. Bah elle fait une attaque électrique, je suis mort je pense. A voir mais... Ah non ça va. T'as même fait une attaque électrique sur un type haut et un one shot même pour.
Et pourtant il est niveau 9. Hein. Ah, je suis niveau 15 hein, presque. C'est vrai, moi je suis niveau 13. J'ai moins tapé les Pokémon. Elle va nous apprendre l'état de cristallisation. J'imagine. Je t'offre des rappels. Ah non. Je me demande s'il y a des nouvelles coiffures quand même en ville. Possible. Mais après, il y en avait beaucoup au début, donc je sais pas. C'est pour ça que je suis perplexe.